Abonne-toi et active la cloche. Coucou les chouchous, bibi, doudou. Alors vous savez que moi, voilà, je fais attention aux palettes. Celle-là, je l'ai achetée il n'y a pas longtemps. Vous savez très bien, c'est à cannabis. Moi, je sais le titre. Voilà. Mais là, en l'occurrence, j'ai envie de mettre du violet. Donc, je vais prendre ce violet-là parce que je sais que je viens de l'acheter. Parce que j'en avais une deuxième et je l'ai jetée parce qu'elle piquait. Donc là, je vais prendre celle-ci. Alors vous allez voir, je ne vais pas me prendre la tête tant que ça. Enfin, j'aime bien se dire, à chaque fois, je ne me prends pas la tête tant que ça. Et... Parce que là, je ne peux pas jongler avec d'autres. Il faut que j'y donne. Alors, du coup, je vais prendre celle-ci. Et je vais tamponner comme ceci. Je ne vais pas faire grand-chose, hein, je ne vous cache pas. Voilà. Et voilà. Et j'ai les yeux déjà qui pleurent. Et voilà, je vais faire comme ceci. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Oh, bien sûr, j'ai rien préparé, comme d'habitude. Ah, je vous montre ceci. Il a vieilli, hein, le pauvre. Hein. Allez, j'avais 40 ans. On dirait que j'étais une gamine. Alors, je ne mettrai pas de mascara, ça c'est sûr. Je ne mettrai pas de fond de teint. Voilà, je vais chercher celui-là. Alors, bien sûr, j'ai pris celui-là. Et comme je vous ai dit, je ne vais pas me maquiller à outrance. Je vais quand même me reprendre. Je me dis, je ne vais pas me maquiller à outrance. Voilà. Voilà, et là, ce que je vais faire, je vais prendre celui-là, ce rosé. Je vais prendre ce pinceau-là et je vais prendre ce rosé-là. Voilà, comme ceci. Et je vais tapoter, juste tapoter là. Et là. Voilà, ensuite. Voilà, ça donne déjà ça. Ensuite, ce que je vais faire. Je vais prendre mon pinceau qui est là. Je vais mettre celui-là aussi. Il va falloir que je m'en rachète. Voilà. Après, hein, vous faites comme vous voulez. Si vous aimez, moi j'en mets là. Hein, j'en remets. Hein. Maintenant, ce que je vais faire, je prends le crayon noir. Ok? Je prends le crayon noir. Si ça vous dérange pas, comment je peux faire comme ça? Ouais, là vous allez voir. Parce qu'il faut vraiment que je sois devant la glace. Voilà. J'adore ce pull. Franchement, je l'adore. J'aurais dû attacher mes cheveux. Et voilà. Ok, alors maintenant ce que je vais faire, je vais prendre un petit pinceau. Voilà, pour une fois que je l'ai. Ah, c'est pas le même, mais c'est pas grave. C'est celui de Avril. Là, c'est un tout nouveau celui-là d'ailleurs. Ah, Miss Gazelle, je sais que tu es étonnée que depuis 3 ans, je garde, mais j'ai tous tes cadeaux. Regarde le petit porte-monnaie que tu m'avais offert en cadeau avec le lot. J'ai tout, hein. Ben, je l'ai. J'ai les bracelets. Elle était super étonnée la dernière fois, Francette, que j'ai gardé. Ben, je garde. Hein. D'ailleurs, je vais m'en servir aujourd'hui. Alors, ensuite, eh bien, on va reprendre celle-ci, hein, puisqu'on est abonné à celle-ci. Mais cette fois-ci, vous avez vu, c'est un pinceau extrêmement fin. C'est juste pour biseauter. Alors, on y va. Je pense que vous allez me voir. Ouais, super. C'est là que je vais le faire. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et là. Voilà. Et j'en ai mis dans l'œil.
Ah, si je veux, je peux mettre de l'eyeliner, mais j'ai pas envie. Je reste toujours dans le crayon noir. Oh, désolée pour les cheveux. Je reste toujours dans le crayon noir. Et moi, je repasse toujours du noir dessus. Et là. Voilà. Voilà, alors le make-up. Le make-up est fait. La coiffure, bah, elle attendra de sécher. Mais en général, je ne me prends pas la tête. Hein. Je ne me cache pas. Hein. Voilà. Je ne mettrai pas de mascara. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre ceci. Mais je vais tailler. Comme ceci, avec mon petit crayon qu'il faut que je vide. Et je vais. Voilà. Ça me rappelle les débuts de ma chaîne quand je me maquillais tous les matins, tous les matins, tous les matins. Voilà. Et bien sûr, on va mettre du NYX Filer Instinct, couleur un peu framboisée, rose, bois de rose. Voilà. Et je pense que je vais refaire mes sourcils. Parce qu'ils en ont besoin. Mais j'ai laissé des trucs à sourcils dans la salle de bain. Voilà, j'ai celui-là. C'est de chez Avril. Vrai que c'est pas évident quand vous n'avez pas de sourcils. Je n'ai plus de sourcils. Je suis obligée de les faire moi-même. Voilà. Bah, j'ai vieilli, hein, de toute façon. Hein. Voilà ce que ça donne. Alors après, ce que vous faites avec un crayon, avec un coton démaquillé, vous prenez bien là pour faire bien la ligne comme ça. Et voilà, et vous êtes maquillé. On peut mettre un petit peu de highlighter. Un pinceau highlighter, j'en ai 100 000 à pinceau, hein, mais c'est pas grave. Comme là, on est dans les rosés. Voilà. Mais j'ai l'impression que. Voilà. Ce qu'on va faire, on va remettre un peu de. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous montrer de près. Voilà ce que ça fait. Sachant que j'ai toujours une mèche, enfin c'est pas une mèche, hein, puisque elle est hyper longue. Hein. J'ai toujours mes cheveux devant parce que j'adore. Voyez, ils sont secs là. Donc voilà. Après, quand on a 60 ans, hein, 61 ans, on ne peut plus être et avoir été. Hein. On est ce qu'on est. Et voilà, le petit pull que j'adore à 3 euros. Voyez, je vous avais dit que mes cheveux commençaient à onduler. Voilà, ils ondulent un petit peu, légèrement. Bon ben, sur ce, je vous fais plein de bisous. Cette fois-ci, la vidéo est terminée. Alors, vous avez eu la première étape, la découpe, et là, vous avez eu ben, le maquillage. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous dis I love you. Je l'avais dit, je te quiero, ti amo. Abonne-toi et active la cloche.